Ils étaient deux. 1m90, noir, avec des yeux injectés de sang. Et des cicatrices rituelles qui dépassaient de la cagoule. L'autre, affreux, un petit peu difforme, vous savez, avec un bec de lièvre et un œil qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Vous arrivez 5 minutes plus tard, j'étais parti. Deux tueurs de la pire espèce. Je me demande si ça serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Bon, alors, deux cagoules, deux mitraillettes, deux revolvers, deux grenades. Et où est-ce que tu comptes trouver tout ça? Là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je la sens bien, tu vois. Toi, tu fermes la porte et tu restes devant. C'est pas compliqué, merde! Pas de panique, c'est un lop. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole. C'est un lop. Hold up, ça risque pas de les paniquer. Pas de panique! Non, là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Bah, parce que c'est un hold up. On demande le paquet. Combien? 750 briques. Ah, les autres, ils demandent tous 500. J'exige 500 millions en petites coupures usagées. Non, non, ancien, faut pas déconner quand même. Ah, 2800 pages d'un coup, il a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Que maintenant c'est tarif de nuit, c'est pas 500, c'est 750 millions. Et la bagnole, c'est obligatoirement avec une boîte automatique. 800 briques. Elle m'a enfilé pour son pognon à ce fumier. Bam, on les a eus. Et 800 briques en plus. Est-il possible d'imaginer l'angoisse des otages?